Comment atteindre des notes plus hautes avec le ventre? On va parler de ce sujet un petit peu polémique. C'est une question qu'on m'a posée sur Instagram et je vais t'en parler aujourd'hui. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix pour se faire plaisir au quotidien en chantant. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Clique bien la petite cloche de notification, comme ça tu seras prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira et surtout à chaque fois que je suis en live. Alors, atteindre des notes plus hautes avec le ventre. Donc, les notes plus hautes, là on parle des aigus. Ok, le ventre, on voit bien où c'est. Quand on parle du ventre, en général, on va pousser, on va rentrer notre ventre, on va pousser avec le ventre. Pourquoi du coup j'ai pris ce titre? Pourquoi j'ai appelé cette vidéo comme ça? Parce que j'avais envie que les personnes qui tapent cette recherche sur Google, sur YouTube, tombent sur cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il ne faut absolument pas te servir du ventre pour monter dans les aigus. C'est très important. Je sais que certains professeurs de chant enseignent encore cette technique, mais c'est dangereux les amis. Il ne faut plus utiliser ça. Ça a peut-être été utilisé à un moment, ce n'est plus à l'ordre du jour. La science a avancé, on sait ce qui se passe au niveau des cordes vocales. Je vais t'expliquer, mais voilà pourquoi j'ai appelé cette vidéo comme ceci, parce que comme ça, tous les gens qui voudront chercher cette technique de ventre tomberont sur cette vidéo et je l'espère du coup n'utiliseront plus leur ventre pour atteindre les aigus. Qu'est-ce qui peut se passer? En fait, certaines personnes expliquent qu'il suffit de pousser avec le ventre assez fort et que ça nous aiderait à sortir les aigus. En fait, ce qui se passe quand on pousse avec le ventre, c'est que ça va faire remonter tous les organes qui sont dans le ventre. Les organes qui vont remonter, ils vont arriver en contact avec le diaphragme, mais en fait, ils vont pousser l'air qui est dans les poumons violemment et cet air, il va passer à travers les cordes vocales et il va les forcer à vibrer. Mais je dis bien forcer à vibrer parce que ce n'est pas un geste sain, ce n'est pas un geste naturel. C'est très violent. C'est comme si tu mettais des claques à tes cordes vocales, c'est comme si tu forçais comme ça pour qu'elle vibre plus vite pour les aigus et ce n'est absolument pas bon. Et ça, ça amène quoi? Ça amène de la fatigue vocale, ça amène des accidents, ça amène des lésions sur les cordes vocales. Donc voilà pourquoi il ne faut vraiment pas utiliser le ventre en poussant ou je ne sais quoi pour atteindre les aigus parce que tu vas forcer sur tes cordes vocales. Alors, peut-être que pour l'instant, ça ne t'a pas créé de difficulté parce que tu ne chantes pas assez, mais si tu commences à chanter régulièrement, très régulièrement et à pousser comme ça à chaque fois avec le ventre, ça va vraiment être dangereux. Donc, je t'en supplie, n'utilise pas cette technique. Et je t'invite à partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver leurs cordes vocales parce que si ils poussent fort avec le ventre pour atteindre les aigus, ils vont se flinguer la voix. Là, c'est vraiment dangereux. Je ne le dis pas souvent, mais là, il y a vraiment de quoi se faire mal au niveau des cordes vocales. Donc, s'il vous plaît les amis, ne poussez pas avec le ventre, ne forcez pas sur vos cordes vocales. Maintenant, je t'ai promis une petite surprise. Tu vas me dire, oui, mais Antoine, comment je fais? On va utiliser en fait, il faut qu'on utilise une bonne gestion du flux d'air pour atteindre nos aigus. Ça, c'est déjà une des premières règles. Et je t'ai enregistré un échauffement que je te propose de t'offrir et de t'envoyer pour que tu puisses travailler ta voix et justement atteindre des notes aiguës plus facilement sans utiliser le ventre. Donc, ces petits enregistrements, cet enregistrement, je vais te l'envoyer dans ton adresse mail. Tu as un lien dans la description, donc clique dessus, renseigne tes coordonnées, ton prénom et ta meilleure adresse et je t'envoie tout de suite le lien pour télécharger cet exercice. Je ne vais pas m'arrêter là puisque dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer aussi, donc suite à ton inscription, je vais t'envoyer aussi une conférence que j'ai donnée sur les cordes vocales, savoir comment tes cordes vocales travaillent. Aussi un ouvrage sur la respiration et puis aussi encore une autre vidéo de plus de 40 minutes. Donc, je vais t'envoyer tout ça gratuitement dans ta boîte mail si tu cliques dans le lien qui est dans la description. En attendant, moi je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao !